Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Allez, du balai! Tombeau de tir est derrière cette porte magique. Frère, le burin. Entre dans le tombeau de tir. Encore un de ces trucs. C'est tir. Mais il manque le panneau central. Une minute. Je croyais que tir était un dieu, pas un géant. C'est vrai. Mais il était aimé de tous, même des géants. C'est le seul avec moi à qui ils aient accordé le don de clairvoyance. Je me demande si les géants ont laissé un triptyque sur moi quelque part. Vas-y. En fait, viens voir. Je vais te montrer comment ça se lit. Ce n'est pas nécessaire. Tu m'as appris tellement de choses. À mon tour, pour une fois. Atreus. Allez, tu le parles déjà. Apprendre à lire sera un jeu d'enfant. Je sais déjà lire, mon garçon. Mais pas cette langue. Alors t'as fait la moitié du chemin. Bien. Les runes représentent un tas de choses différentes. Des dieux, des animaux... Attends. Oh, je vais trop vite. Désolé. Non, c'est pas ça. Tu ne sens rien. Si, c'est vrai. Comme une odeur de... de pluie. Tu as tout gâché. J'ai mérité ce maudit marteau. Et maintenant... tout le monde va croire que je l'ai récupéré parce que Magni est mort. Je vais être la risée de tous. Mais si je te tue, personne ne se moquera de moi. Non ! Ah, idiot. Tu tiens ça de ton père ou tu crois que ça vient de ta mère? Elle était bête en plus d'être laide. Sérieux ?
c'est vrai. Mais je vais apprendre à te connaître sur le bout des doigts. Tu vas devenir mon nouveau frère. Dès que j'en aurai enfin terminé avec ton père. Oups. J'y suis allé un peu fort. Recule ! C'est pas fini ! Mon frère, le garçon. Atreus ! Tu dois l'emmener chez Freya sans plus tarder. C'est sa seule chance. Prends le bateau. Freya n'est pas loin. Odin t'a à l'œil, frère. Surtout depuis que tu as tué un des siens. La forêt de Freya lui est inaccessible. C'est notre meilleure option. Et si quelqu'un peut le guérir, c'est elle. Qu'est-ce qui lui arrive ? J'ai vu ça chez certains mortels. Les conflits de l'esprit peuvent se manifester par des mots physiques. Je ne l'avais jamais vu chez un dieu, mais... un dieu qui se croit mortel, ça ne me surprendrait guère. Nous y sommes presque. Le serpent. C'est vrai. Et il tremble. C'est grave. Nous devons faire vite. Freya ! Ouvre cette porte ! On a besoin de toi ! Bon sang, est-ce que tu m'entends ? C'est très urgent ! Je suis toujours une déesse. Allez-vous-en. Mon garçon est malade.
Freya! Il est malade. Entre vite. Ce n'est pas une maladie ordinaire. La vraie nature de ce garçon, ta vraie nature, se bat en lui. Tout est ma faute. Tu vas m'aider. Bien sûr. Il existe un ingrédient rare qu'on ne peut trouver qu'à Helheim. Le gardien qui protège le pont des damnés, c'est son cœur qu'il me faut. Helheim. Le royaume des morts, tu le connais? Pas celui-là. Un froid glacial règne sur ces terres. Le feu ne peut y brûler et aucune magie dans les 9 royaumes ne peut y produire une étincelle. Quant aux morts, ta hache de glace ne servira à rien. Il te faut autre chose. Je dois retourner chez moi. Déterrer un passé dont j'avais juré qu'il resterait enfoui. Peu importe qui tu étais avant. Cet enfant n'est pas ton passé, c'est ton fils. Et il a besoin de son père. Cette rune ouvre le pont vers Helheim. Quand tu seras là-bas, ne traverse sous aucun prétexte le pont des damnés. Nul ne peut en revenir. Tu as compris? Atreus. Heimle. Tu dois te dépêcher. Dans mon jardin, un chemin te mènera à ma barque. Prends-la, retourne chez toi. Déterre ton passé. Fais ce que tu as à faire, mais apporte-moi le cœur de ce gardien. Et ton fils vivra peut-être. Pars. Freya. Lors de ma dernière visite, Non. Tu as raison de ne pas faire confiance à la parole des dieux. Inutile de te justifier. Pas auprès de moi, pas pour ça. Je veillerai sur lui. C'est la promesse d'une mère. Il fallait que ce soit Helheim. Tout va bien, frère? J'ai une tâche à accomplir. Ne m'interromps pas.
Sur ta droite! Fais attention, derrière! Par derrière! Attention, derrière toi! Côté gauche, frère. Tu n'as nulle part où te cacher, Spartiate. Tu auras beau mettre autant de distance que tu veux entre toi et la vérité. Ça ne changera rien. Tu peux prétendre être ce que tu n'es pas. Un mentor. Un mari. Un père. Mais il y a une vérité à laquelle tu ne pourras jamais échapper. Tu ne peux pas changer. Tu demeureras à jamais un monstre. Je sais. Mais je ne suis plus ton monstre désormais. C'est là. Derrière toi, avant-garde!
devant, frère. Par derrière. Ma foi, oui, c'est là où sont utiles à Elheim. Il doit y avoir une porte vers le monde entre les royaumes. En plein milieu du jardin. Pratique. Prends ce raccourci et de là, rends-toi à Elheim. Je suis à peu près certain que ce n'est pas à moi que tu parlais tout à l'heure. Tu n'as pas quelque chose à me confier. Je t'assure que je garde les secrets comme personne. Bon, tu sais où me trouver. Et pour ta gouverne, j'avais déjà deviné que tu étais grec. Athéna, impossible de se tromper. Magie d'un autre monde! Par les saints de Nana, qu'avons-nous là?
J'ai jamais rien vu de tel. Un héritage familial, forcément. Non. Et ça ne sera jamais. Écoute. Mon frère et moi avons créé Mjolnir pour le grand crétin. J'ai l'œil pour ces trucs. Et ces lames. Elles ne sont pas banales. Et où est ton morveux? Il est tombé malade. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Les As? Non. Tout est ma faute. Et c'est à moi de réparer cette erreur. On doit tous prendre nos responsabilités, parfois. Hein? Est-ce que je peux faire quelque chose pour l'aider? Je peux me rendre utile? Tu veux que je vienne avec toi? Non. Tu as déjà assez à faire. Par ici. D'accord. Alors, où est-ce que tu vas, comme ça? Au Royaume des Morts. Helheim? Merde, c'est du sérieux! Donc, je vais garder un œil sur toi. Maintenant que Freyja t'a donné la rune de passage vers Helheim, le royaume devrait être accessible depuis la table. Un œil sur toi. Je profite de l'occasion pour te dire que ce que nous allons faire est pure folie. Même Odin ne peut pas vivre à ce froid, alors que l'âme a intérêt à fonctionner. Yeah!
Est-ce que c'est le pont dont Freya parlait ? Non, nous sommes toujours sur le pont entre les royaumes. Celui que nous cherchons est le pont des damnés. Les morts l'empruntent pour se rendre dans leur séjour permanent, la cité de Le gardien qui en garde à l'entrée, c'est lui que tu cherches. Suis ce pont et tu tomberas nez à nez avec lui. Tu sais, j'espérais vraiment que j'allais revoir cet endroit. Utilise le feu de tes lames pour brûler ces ronces qui nous barrent le chemin. Bonne raison d'être allé chercher ses lames. Seuls les morts récents devraient être ici. Il y en a beaucoup trop. La porte doit être fermée. Et si la porte est fermée, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Elle est pleine. Sans la Valkyrie pour faire le tri, la cité déborde. Et maintenant,